Le ministre en charge de la fonction publique et ceux de l'enseignement primaire et secondaire du Togo ont échangé jeudi dernier avec les organisations syndicales des travailleurs et enseignants du Togo sur les grèves intempestives ces derniers jours. En clôture du travail vendredi, les recommandations dressées par les organisations syndicales ont été présentées au groupe de travail. Nous avons travaillé avec le sens de l'urgence et justement face à l'urgence et à la nécessité de ramener le calme et la sérénité dans notre système éducatif et de favoriser le déroulement normal des activités scolaires. Le groupe de travail recommande aux autorités gouvernementales de communiquer aux enseignants dans les meilleurs délais la suite réservée à la demande de revalorisation de la prime d'incitation à la fonction enseignante. Et en conséquence de cette demande formulée à l'endroit du gouvernement, le groupe de travail lance un appel pressant à tous les enseignants et aux organisations syndicales à observer une trêve en attendant la réponse du gouvernement. Pour information, le statut particulier de l'enseignant togolais a été l'un des sujets débattus par le groupe de travail.